Mon nom est Rokia Traoré. Je suis en ce moment au Burkina Faso et je m'apprête à visiter pour la première fois un camp de réfugiés maliens avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd'hui est la journée internationale des réfugiés. Nous sommes dans le camp de réfugiés de Goudoubo où j'ai eu la tristesse, mais aussi l'immense plaisir de retrouver des personnes qui partagent avec moi un pays et l'espoir d'une paix afin de pouvoir reprendre le cours normal de nos vies avant cette guerre. Il est important d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le fait qu'au Mali, il y a encore besoin, et pour les camps de réfugiés liés à la crise au Mali, il y a encore besoin de 78% des fonds nécessaires pour faire en sorte que ces camps puissent fonctionner. Le monde ne doit pas oublier cela, et il est très important qu'on se rappelle que la crise au Mali n'est pas encore une histoire terminée, même si nous sommes en bonne voie de trouver des solutions.